On chauffe les cervicales. Allez-y doucement, même si la musique invite à s'emballer. On espère que vous avez fait du bien, ceux qui ont suivi la séance de stretching hier soir. Vous êtes en méga forme pour aujourd'hui, les autres aussi. Ah, y a le canapé qui m'appelle là. Vous allez détester votre canapé après cette séance. Ou alors vous allez plus l'utiliser de la même façon. Ça va être assez cow-boy la séance d'aujourd'hui. À quoi bonnet ? Assez western. Ok, tu tends les bras devant et tu alternes les poignets. Baisse tes épaules. Et Henri, tu peux bouger les hanches avec nous. Vous avez vu Yuri rapper. Oh. Vous allez voir Yuri danser. Ouais, génial, Bobo. Boris qui est toujours avec nous tous les matins à 8h30 de Pologne où il mixe en live. Ouais, lui aussi il se lève, il fait le sport aussi. Allez, enroule tes poignets. Allez. Allez les amis, on se trémousse. Ah ça y est, je suis bien réveillée là. Allez, tu plies, tu tends. J'ai gardé l'accent de Véronique et Davina. Ça y est, elle est en toi pour toujours. Allez les amis, on plie, on tend. On plie, on tend. Merci aussi encore pour tous ces textes que vous avez envoyés, ces photos, ces témoignages. Vraiment, ça nous réchauffe le cœur. On a reçu une nouvelle vidéo aussi, deux nouvelles vidéos, notamment notre English coach qui nous a épatés et qui nous a inspiré un nouveau challenge. Un nouveau challenge d'ailleurs. Qui va avoir certainement le jour aujourd'hui d'ailleurs. Ah ouais? Ah ouais! Ah ça chauffe les épaules! Tant mieux, c'est le but! Allez, encore un peu! Wouh! Allez, ensemble! Et 1, et 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8! Loupez le rythme là! Allez, on relâche les bras après celui-ci, super! Donc là, vous mettez à genoux comme nous! Ouais, ouais, vous avez bien compris, à genoux! On va mettre un pied devant, l'autre pied, et on se remet à genoux. Et on fait ça rapide, en gardant les fesses en arrière et le dos droit. Ah, c'est cool ça, j'adore. Oh, les cuisses et les fesses. On va beaucoup travailler le popotin aujourd'hui. On va beaucoup travailler encore. Hein. Les épaules aussi, les abdos. Vous n'allez plus vous asseoir de la même façon sur le canapé, on vous le garantit. Vous allez porter un autre regard sur votre canapé. Ça va plus être l'objet des siestes indécentes, des grignotages. Des chips devant la série. Oh là là, ça chauffe. C'est bon? C'est bon. Allez. Yuri, l'aquaponie aujourd'hui. Le canap poney. C'est le coup de pied du poney, on avait dit. Le coup de pied du poney. Alors le premier, le coup de pied du poney, tu te mets. Alors si t'as un tapis, c'est cool. Les mains sous les épaules, j'ai déjà essoufflé. Bon, je vais pas rester en poney comme ça pendant 2 heures. Hein. Allez, option numéro 1, tu montes un pied après l'autre en gainant et tu redescends. Et tu remontes. On change de pied à chaque fois. Alors les genoux ne touchent pas le sol parce qu'ils ne voient peut-être pas en vidéo. Si on voit bien, la langue, il est pas mal. Ouais, donc les genoux ne touchent pas le sol, comme vient de le dire Yuri. On reste en gainage. Et sur les pointes de pied. Et sur les pointes de pied. Voilà. Et alors attention, l'option 2. Ils vont mourir.
Bah nous aussi en fait. Rien de penser que je vais le faire, je suis déjà en train de mourir là. Pauvre poney. Allez, poney youyou. Le deuxième, l'option 2, c'est en sautant. Vous vous rappelez un petit peu le cabri la dernière fois? Bah c'est la même version poney et canapé. Oh, j'ai mal rien que de te regarder, donc, Yuri. Donc, faut bien envoyer les deux pattes en arrière, sur la pointe des pieds. Et quand on repose, on amortit avec le genou en fléchissant, sans qu'il touche le sol. Ouais, les genoux sont pas au sol, on amortit. Alors là, les abdos, les cuisses, les épaules. Oh là là. C'est bon, Yuri, tu peux t'arrêter. Épaules, abdos, cuisses, il y a tout qui bosse. On est vraiment sur un travail du tronc. Sacré poney. Sacré poney. Sacré Yuri. Allez, le deuxième. On se dirige vers nos fessiers. Option numéro 1. Donc là, tu places le canapé au niveau de tes omoplates. Voilà, tu peux mettre tes mains sur la taille, c'est le cow-boy. Sur la taille, Yuri. Allez, si tu veux. Allez, cow-boy, je descends et je monte. Alors là, je suis en train de me voir sur la caméra. Je sais pas si j'ai l'air d'un cow-boy, mais en tout cas, je trouve que je dégaine pas mal. alors, pas de sous-entendu, s'il vous plaît, sur ce mouvement. Je vous vois ricaner là, vos écrans. C'est moi qui rigole, Yuri. On n'y avait pas pensé sérieusement. Alors, pas de connotation sur nos mouvements, s'il vous plaît, pas de jugement. Ça va me faire pleurer. Bon, ça, c'est l'option 1. Bon, alors, tu dégaines à deux jambes ou tu dégaines à une jambe? J'en peux plus déjà. C'est bon, j'ai fait ma séance d'abdos, Yuri. Il est sexy celui-là, par contre. Hein. S'il y en a qui font ça en pyjama, en slip ou en petite tenue années 80, vous allez être très bien sur ce mouvement. Hop là. Et donc, à chaque fois, on vous dira, il y aura 4 tours en tout. Donc si tu fais une jambe par une jambe, on commencera par la jambe gauche, ensuite droite, ensuite gauche, ensuite droite pour pas se perdre. Alors après avoir dégainé bien comme il faut le bassin, on va aller poser son popotin, voilà, à une jambe. Celui-là c'est le 6 coups. Le 6 coups, ouais, le revolver des cow-boys. C'est parti. Oh. Voilà, et là c'est pareil, on commencera avec la jambe gauche. Alors là je suis descendu un peu vite, hein. Je me suis loupé. Hein. C'est vraiment, on contrôle la descente, et boum, je remonte. Ouais. Et pas d'élan pour remonter. Contrôle de la fesse, ça s'appelle... Ah, je peux pas regarder la caméra en même temps. Pour de vrai, ça s'appelle des squats pistoles. Non mais t'es très beau, mon amour. Alors ça, c'était l'option difficile qu'on a commencé de suite, là. Oui, on a fait d'abord l'option... On était tellement excités. Donc, maintenant, c'est... Enfin, oui, vous savez. L'option 1, c'est avec les deux pieds. Voilà. Le but, c'est de pas s'affaler dans le canapé entre chaque. Super, Yuri. Alors, je m'assois... Je me relève, je prends une bière, je me rassois, je prends des chips. Allez. Allez, le dernier, c'est le commando du cow-boy. Alors là, tu te mets donc sur les genoux, option 1. Et là, tu vas monter sur ton canapé avec tes mains et redescendre. Poids du corps sur les épaules. Voilà. Si vous faites ça, ça sert à rien. Non, là, c'est la cow-girl plutôt. Allez. Et là, l'option 2, les jambes tendues, la même, c'est parti. Ah. Ça a l'air plus dur, vous n'êtes pas d'accord? Et voilà, donc nous avons 4 exercices, mais comme il y a 2 jambes, nous allons faire 5 exercices, 4 fois, vous avez 20 fois 30 secondes à tenir ce matin. C'est ça, hein, 5 ouais, 4, c'est ça. Ouais. Rien que la démo, elle m'a flingué. Flinguer, c'est le cas de le dire. Allez, on envoie du sang à fond. On espère que vous êtes à fond chez vous, aussi à fond que chez nous. Et vraiment, cette séance canapé, ça va être quelque chose. Je vous le garantis. Ouais. Allez, c'est parti. Oh, le premier, rien que le premier. Ah ouais, le premier. Attention, on envoie le timer. Hop là. Départ dans 10 secondes. On vous remonte l'option 1. Hop, on monte un pied et ensuite l'autre. 3, l'option 2. 2. 1, on saute. Oh, ça va être long, 30 secondes. Ah, il a mis de la musique de cow-boy, le DJ. Yeah, Boris. Allez, faites tourner votre lasso. On se croirait, comment ça s'appelle? Country. Dans les bars, là, tu sais quand tu dois faire le... Dans les saloons. Dans les saloons, tu sais quand tu dois faire le truc, tu t'éjectes, là. Je peux plus parler, là. Ah, ah, il est mortel. Le rodéo, c'est ça, le rodéo. Ah. Oh là là. Allez, dégaine ton bassin de cow-boy. Allez, vraiment les épaules, les omoplates sur le canapé, les chevilles sous les genoux, soit les deux pieds au sol et on relève le bassin, soit sur une jambe. Allez, choisissez l'option qui vous convient.
Ah. Salut. Wouh. Oh, ça brûle déjà. Ah, ça te brûle. On va à peine de commencer que ça brûle déjà. Elle va être mortelle, les amis, cette séance. Elle va être mortelle. Qui a dit que le canapé, c'était facile. Ah ouais. Allez, accroche-toi. Wouh. Ah, encore un. Ouais. Oh. Allez, petite pause sur le canapé. Bien mérité là. Bien mérité. Mais non, elle reste pas de jambes. Mais non, la fin après, il y a plus de jambes. Ah ouais, c'est vrai. Bon. On a oublié que vous avez deux jambes. Allez. Souvenez-vous de laquelle vous avez commencé. Hein. Sur une jambe. On y va. Allez, cowboy. Alors, on vous rappelle, pour ceux que c'est trop dur, vous faites les deux pieds au sol en squat. D'accord? Choisissez vraiment l'option qui vous correspond. Les deux bosses, on vous le garantit. Sinon, sur une jambe. Oui, mettez six coups en place. Ça y est là. Ça y est, j'ai deux pistolets là. Un pistolet dans chaque main, prêt à dégainer. Ils ont intérêt de se tenir à carreau en face. Ça, je te le dis. Ah, change de jambe. Et du coup, pareil sur cet exercice. Bon, pour ceux qui ont fait sur les deux pieds au sol, vous recommencez sur une série de squats. Sinon, pour les autres, sur un pied. Ok? Allez. Allez! Go! Ah! Oh, c'est la tente que j'ai fait au bridge! Ah. Ah, je suis sûr qu'il y en a qui tombent sur leur canapé. Je le sens gros comme un canapé. Tu dois pas rester assis, hein? Ah. On n'est pas assez à deux quand on voit un canon là. Ah. Allez, les amis! Allez, poussez sur vos fesses là! Encore. Ah, dernier. On veut voir le dernier. Oui. Yes. Wouh. Je rappelle le prochain, l'option facile. Je suis sur les genoux. Je monte. Je descends. La même, j'ai entendu pour les autres. Ok. Allez. Et ben, dans 3 secondes. 1, go. Allez. Pose bien tes mains à plat sur le canapé. On est sur du gainage dynamique. Kick a roll, kick a roll. On en western là, il fait 50 degrés. On est en plein désert là. C'est aride. Hein. Wow. Yeah. First one. Boum, 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 boum! C'est bon, vous êtes toujours chaud, vous avez compris? Premier circuit, premier passage, on vous laisse vous remettre en place pour le coup de pied du poney. Allez, on y va, go! Allez, go! Allez, voilà, envoie du rythme. Poney confiné, mais poney confirmé. Ah, c'est énervé ça. Ça, c'est un poney énervé ça. Ah. Ah. Il comprend pas ce qui lui arrive. Allez, accrochez-vous. Restez sur cette selle. Allez. Dernier, on peut le voir. Yeah. Oh. Ah. Oh. Ça y est. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de transpirer autant sur votre canapé? Peut-être que oui, au final. Allez, on change de jambe. Pour ceux qui avaient pris une jambe. Hop, passez à l'autre. Et tu dégaines. Allez. Descends les fesses bien basses et remonte jusqu'à ce que ça bloque. Fessiers contractés, abdos contractés. Déterminé. Allez, sens le travail au niveau des fesses. Ah, je le sens, c'est bon. Aïe, aïe, aïe. Allez, encore. Ouh. Ça chauffe. Allez, pousse sur ce bassin. Encore un dernier. Oh. Yeah. Allez, debout. Est-ce que ça va toujours chez toi? Est-ce que ça va toujours? On voit un maximum de yes, toujours pas mal. Ok, on va remettre une couche alors. Prêt à dégainer le pistolet. Une jambe tendue, pied contre le canapé. Bras à l'horizontale. Et on descend et on remonte. Allez, rapide.
J'en vois qui s'écroule sur le canapé. Faites pas semblant. Allez, poussez sur la cuisse. Y'a pas de temps de récup sur le canapé, hein. Ouh. Ah, ça crame. Le vent, la brute et le truand chez toi. Eh oui. Allez, on passe à l'autre jambe. Récupère petit, les amis. Accrochez-vous. Allez, on calme bien son. Alors, sinon, on vous rappelle, les deux pieds au sol écartés. Choisissez l'option. Allez. Yeah. Allez. On est bien là. Là, on est bien. Servez-vous vraiment du canapé pour renvoyer une impulsion et remonter. Restez droit. Regardez droit devant vous. Regardez vos écrans là. On est avec vous. Sentez notre présence chez vous. On est là pour toi. Oh. Notre fesse brûle pour toi. Ah ouais. Dernier. Oui. Oh. Oh là 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 là. Ay caramba. Allez. Ay canapé. Allez, le grimpé du cow-boy. Il y a Zoro qui va venir me sauver, tu crois ou pas? Est-ce que t'as un Z à quelque part? Allez, on y va, go! Allez, remonte fort, remonte solide. Allez, let's go! Allez, tu es dans un Far West là. J'espère que toi, comme nous, tu n'as pas une caution sur ton canapé. Parce que là, on est en train de bien le piétiner. Bon, comment ça va bien toujours? Ça va? C'est cool, on est 150 à faire du sport chez soi sur notre canapé. Comme quoi... Coup de pied de poney. Allez. Comme quoi, on peut se servir d'objets de notre quotidien où on a l'habitude de se reposer pour se dépenser. Oh, ça a du mal à monter au bout d'un moment. Allez, accroche-toi. Mon cheval, il est fatigué. Celui-là, il est mortel. Mortel de chez mortel. Allez, les amis. Ça y est, je suis en nage. Allez, fesses dans le vide, épaules reposées, une jambe sur l'autre si vous voulez. Go! Allez, bon coup de bassin vers l'eau. Serre les abdos, je remontre l'option 1. Va au max de ton amplitude. Tu attends que le bout de ta fesse frôle le sol et tu remontes. Allez, sans la brûlure, sans la, la chaleur, le feu aux fesses. Devant moi. C'est un ami Lucky Luke, c'est un cow-boy. Je crois que je vais me transformer. Comment il s'appelle le fan de Lucky Luke? Mais toi, t'es Calamity Jane ou un truc comme ça. Il y a des cow-boys femmes aussi. Allez, le revolver. Le 6 coups. Allez, mets ton revolver en place. C'est parti. Allez, fais le revolver avec tes mains aussi. Et à chaque fois que tu relâches, tu peux faire boum. Tu peux shooter. On va faire pan. Pan. Allez. Pan. 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 C'est les graisses que tu shootes là. Pan. Allez, tue les graisses avec ton revolver. Poum. Poum. Pan. Allez. Pan. Dernier. Pan. Grave avec vous là. Nos fesses sont un peu parties loin, quelque part dans le Far West. Ah ouais. Mais nous restons des cow-boys à Vignon. Five, aide-moi. Allez, le 6 coups dans les mains. Dans chaque main, les trous. Allez, prends en l'air.
Ah, ça chope là. Voilà, ah, c'est fouillant. Une âme de cowboy. Ah. Ah, on veut voir le dernier. Allez. Ah. Yes, on l'a arraché. Allez les amis, le dernier du troisième tour. Après, il reste plus qu'un tour. Ça fait plus dur là. Vous vous rappelez que vous avez voté aujourd'hui le poney à deux pattes? Non, le poney à deux pattes. Ouais. Allez, go, on y va. Non, le poney du canapé. Ah ouais, le poney confiné, pardon. Ah oui, le poney confiné. Ah. Serre tes abdos, hein. Garde l'alignement. Pas garde le fessier, garde. Hein. Je veux pas que tu cabres. Cabre pas du fessier. Ça, c'est pour le bruit. Allez, commence. Oui. Je vous ai dit une bonne nouvelle, on va pouvoir ouvrir la fenêtre. Ah ouais. Pour la première fois en 38 jours, on va pouvoir ouvrir la fenêtre de chez nous. On attend ça depuis le début. Attention, on repart dans 3 secondes. C'est le dernier tour. Dernier round. Arrête-toi. Allez, go. Allez, tu donnes tout. Allez, on vous entend plus parler là. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, on s'entend plus, nous non plus. Nous non plus. On se sent par contre. C'est le plus mortel de tous. Ah, allez, allez, vraiment, calez-vous bien sur le canapé. Je sens qu'on a fait le cabri l'autre fois, par contre. Ça m'aide. Go. Allez. Allez, du rythme dans le mouvement. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien, il y a le soleil qui se lève. Rien que pour nous, chez nous. C'est trop cool. Le soleil du Far West. Mets ton chapeau de cow-boy. Ah, ça fait un peu village people dit comme ça. Allez, donne tout. S'il te plaît, donne tout. Dernier. Le redoutable pistole, le redoutable si cool, le redoutable revolver. C'est maintenant. Ouh. Reste actif, reste actif. On a été décapité. J'ai entendu. Et on y va. Allez, shoot quand t'es en l'air. Souffle à la montée. Allez, comme si pousse. Tu voulais souffler sur ton gueule. Comme après si tu voulais souffler sur la flamme de ton pistolet. Sur la flamme de la fumée qui sort de tes fesses. Après le confinement, on se retrouve tous au saloon. Qu'est-ce qu'ils voient, les cow-boys? Ah, de la bière, de la... Oh. Non, pas que de la bière. Des trucs genre des petits cognacs, bazar maniaque, un petit whisky sec. Pour moi, ce sera de l'eau dans la gourde de Julie Immobilier. On the rocks. Allez, les amis, il reste deux exercices. T'affale pas sur ton canapé. Le six coups, on fait l'autre jambe. Allez, les amis. Ouais. T'as pas fini le temps de réussir? Si. Sinon, je l'aurais senti de suite. Là, c'est dur. Là, c'est très dur. Et c'est maintenant où on fait travailler son mental. On appuie sur le bouton on, le bouton guerrier, le bouton lion et lionne, le bouton cowboy. Cowboy, qui en toi. Allez, dernier. On veut voir le dernier. Yeah. Holy shit. Sinon tu serais pas avec nous. Et pendant 3 secondes. Tous ensemble, go. Tous en forme, maintenant. Allez, on va la chercher cette forme physique et mentale. C'est maintenant que ça se passe. Chez toi, avec nous. Et ensemble. Allez, go. Allez, crête sur ton canapé. Chevauche-le.
finit rapide. On finit très rapide. Allez, on accélère. Ouais. C'est bon. Ça m'a coupé le sifflet. Validé les amis. Oh, je suis trempée. Oh là là. Il fait chaud dans le western. Regardez dans quel état vous nous avez mis. Dans quel état nous sommes. Est-ce que vous avez imaginé transpirer autant sur votre canapé? Hein? Comme quoi, hein? C'est incroyable. Dans son canapé, dans son lit, à quel point on peut se dépenser, à quel point on peut transpirer, se mettre à fond musculairement et aussi en termes d'endurance. C'est incroyable. Ouh! Tu vois, vous voyez quand je le regarde comme ça, je regarde plus du tout mon canapé de la même façon. Vraiment plus du tout. Et vous, comment vous sentez? On aime bien savoir. Sur une échelle de 0 à 10, 0, c'est comme si vous faisiez une sieste sur votre canapé. À 10, vous voyez plus votre canapé de la même façon. À combien vous êtes, les amis? Séverine, tu me fais rire. Oh, génial, Myriam! Merci les cow-boys, à chaque fois il se dit qu'elle pourra pas y arriver, mais avec les encouragements elle y arrive. Il y en a qui disent que le poney est par terre. Il y a des bois, elle me régale. Mon ombre s'est enfuie, c'est normal. On est fâchés, mon canapé et moi. Pourtant celui-là tu vas devoir le garder jusqu'à la fin du confinement. Hein. Ouf, à 9 allez Stéphanie. Combien vous êtes les amis? Oh, moi je suis bien à 7 là quand même. C'est le canapé beaucoup trop mou. Eh ouais, eh oui. Super instable. Plus le canapé est mou, plus le canapé est instable, plus on travaille ce qu'on appelle les muscles stabilisateurs. Donc plus vous sollicitez un grand nombre de muscles que vous n'avez pas forcément l'habitude de travailler sur des exercices où vous êtes sur un sol ou quelque chose de stable. Donc deux fois plus de travail. C'est pour ça qu'on travaille des fois sur des Swiss balls, des bosu pour travailler en déséquilibre, pour travailler sur des surfaces un peu molles pour activer plus de muscles. Donc beaucoup plus de travail pour ceux qui ont un canapé mou. Ouais, moralité, la prochaine fois avant d'acheter ton canapé, pense à ce que tu vas faire comme sport dessus, plutôt qu'à comment tu vas poser tes fesses dessus. C'est ça, nous quand on va dans les magasins de canapé, on arrive, on fait des pompes sur le canapé, des squats, le vendeur nous regarde un peu bizarrement, on dit ouais, ben non, on va pas dormir dessus, on va pas s'allonger, on va faire du sport. Ça les étonne un peu, mais... Donc allez faire du sport dans les magasins de canapé. Mon lit est trop... Merde, quand ça glisse, c'est pas cool aussi. J'adore quand vous utilisez des images. Je crois que c'est Marie qui a marqué « Je rentre à l'écurie ». Manger du foin. Ouais, c'est trop bon, ça. Je goûte. Je vais faire passer mon canapé par la fenêtre. Qu'est-ce que... Je cherche mon poney qui s'est enfui. C'est Lionel, ton poney. Bon, alors vous avez voté pour le challenge. Vous avez voté pour le poney. Franchement, si j'avais été à votre place, j'aurais jamais voté ça. Et ouais, mais on est super vaches, on leur montre pas ce que c'est. Donc, on va vous montrer. Alors, c'est pas le même poney que ce qu'on vient de faire, parce que pendant une minute, je pense qu'on va tous y rester. Mais en fait, c'est le poney qui a déjà survécu aux 4 premiers tours. Donc, en fait, il a plus que 2 jambes. Donc, je vous montre à quoi ça va ressembler un canapé. On va bien faire les deux côtés. Hein. Donc, aujourd'hui, c'est un peu double challenge. C'est deux fois... Eh ouais. Une minute? Eh ouais, pour travailler les deux côtés. Et si, et si, et si, et si. Eh ouais, c'est comme ça. Et sinon, vous allez plus travailler un côté que l'autre. Vous allez voir le mouvement, vous allez de suite comprendre. Oui. On a envie que vous ayez un corps, une silhouette harmonieuse et équilibrée. Pourquoi tu leur fais croire que c'est toi qui portes le chapeau là devant la caméra? Allez, on vous montre le défi du jour. Défi du jour, bonjour. Oh, j'ai plus de pattes. Allez, donc le défi du jour, tu te mets une patte sur le canapé. Une seule. Hein. Hop, et là, faut tenir. Non, bras opposés. Bon, mon cerveau, il est resté au western. Alors, elle a une jambe tendue, le bras opposé tendu, elle a une main sur le canapé, l'autre pied au sol, et elle est en position, regardez bien, de gainage instable. Donc, elle est sur deux pattes. Le but va être de tenir une minute dans cette position, les amis. Pour ceux pour qui c'est trop difficile, on peut leur montrer une petite option à genoux sur une seule patte. C'est déjà pas mal. Voilà, donc mettez un genou au sol, le bras et la jambe opposée tendus. Donc ça, c'est l'option 1 pour ceux qui, par exemple, peuvent avoir des problèmes au niveau du dos. Ça travaille aussi énormément, on vous le dit. Ok?
Ça vous va les amis? Donc on a une minute sur chaque côté sur cette position de poney confiné. Mais attention, confirmé. Donc montrez-nous la force du poney qui est en vous. Ok? Bienvenue au monde des poneys. Alors on envoie de la musique. Alors j'ai mis le chrono. On part sur 30 secondes. 30 secondes, on change de côté. Ouais, bon, ok, on change de côté toutes les 30 secondes. On est parti pour 2 minutes d'effort. Les amis, on est tous ensemble. On est tous des poneys dans l'âme. Allez! Attention, je mets en place, départ en 3 secondes. Allez, on tient bon. C'est oh. Parti. Ah. Ah, c'est instable. C'est instable. Gardez bien le bassin face au sol. Regardez bien en direction du sol. Bien gainer les abdos. Allez, on tient. Poney réveillé. Allez. Allez, poney. Aïe. Cheval. Ah, j'ai un poney à bascule, moi. Ah. Allez, ah, je ne tiens plus. Ah. Ah là là, il est bancal, mon poney, moi. Il a une patte plus courte que l'autre, je crois. Allez, on passe sur l'autre côté. C'est peut-être parce que c'est un poney à trois pattes. Ah. Ah, c'est hyper dur. On découvre avec vous, hein, les amis. On découvre avec vous. Ah, on teste, là. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi ce poney, là? Remboursé. Ah. Allez, tenez bon. Encore 10 secondes. Allez, 8, 7, 6. Ah bon, on s'en fout. 3, 2, 1. Et on lâche. Ah là là, je suis cuit, là. Ouh. Bon, on aimerait bien savoir ce que ça a donné chez vous là. On va pouvoir se faire rembourser la crinière là, hein. Elle est trempée. Oh là là. Julie, elle nous regarde de son canapé. Non mais je crois que t'as pas compris le principe, Julie. Ah, en tout cas, vous êtes toujours autant de cow-boys connectés. Ça veut dire que vous avez fait la séance jusqu'au bout avec nous. Et ça déjà, pour nous, c'est une belle récompense. On peut être vraiment, on est vraiment, vraiment, vraiment très fiers de vous parce que vous devenez vraiment des sportifs confinés, confirmés. Et ça, c'est vraiment cool. C'est bien, vous n'êtes pas resté au box. Bon, on va vous délivrer le diplôme du rodéo, du poney, du cow-boy. Vous avez fait tous les rôles ce matin. Si vous voulez bien me rappeler le nom du cheval de Lucky Luke, parce que depuis tout à l'heure, je suis perturbée. Je vais bouffer mon poney. Je vais bouffer mon poney. Ça se mange pas, le poney. Bravo voilà. Les amis, on est contents, on est fiers de vous, on est fiers de nous aussi. Ouais. Yeah, Sherry. Sherry, vous avez. Yeah, Sherry. Allez, c'est mission done. Vous allez bien? Vous avez survécu? Mon poney a dû boire le whisky du cowboy. Jolly Jumper, merci Joachim. Ah, oui. Ah merci Rachel. Ah bah du coup il y a tout le monde qui répond. C'est bon, je vais m'en rappeler toute ma vie. Regarde tout le monde qui répond. Jolly Jumper, Jolly Jumper, Jolly Jumper. Johnny. Séverine alors que Johnny Jumper. Remarque, allumer le feu. Ça va bien avec ce type de séance aussi. Hein. Cabrile derrière. Poney de compète. Chevaucher votre partenaire. Sur le canapé pendant le confinement. Mais surtout, ne fais pas semblant. Donne tout à 100%. Ne reste pas sur deux pattes. Et mets-y tout dedans. Non, pardon, voilà. Non, mais je parlais de niveau physique. Bon, on s'arrête ici. On s'arrête la ici. Boule, non. Bon, allez, Jolly Jumper. On se retrouve dans 2 minutes. Sur le second live où là on va parler de comportement alimentaire. Après avoir fait les cons sur le canapé. Voilà, là on rentre à l'écurie, on va manger du foin. Et des graines. Et des graines, on mange des graines. Ouais. Non, plus sérieusement, oui, donc là ça va être donc calories émotionnelles. Donc oui, on va traiter justement de comportement alimentaire. Et on sait que ça ne concerne pas tout le monde. Donc sentez-vous libre de venir tenter cette expérience sur le second live. Ou sinon, on se retrouve pour les autres demain pour la séance Abdo Bueno, c'est ça? Ouais, ouais. Kinder, Abdo Bueno, oui. Abdo la meuf bueno. Qui va absolument être Kinder.
Ok, on vous dit à tout de suite. Yuri, on n'a pas fait un total bide parce qu'il y a Maë qui a quand même écrit « J'adore votre impro, j'ai beaucoup rigolé, donc ça va, on a moins fait rire une personne. » Ah, merci. Bon, on se reconvertit pas à la chanson, vous êtes d'accord? Elle a sorti son lasso pour attraper encore un peu plus d'énergie. Yes! Yes, cool Dédé, cool Bobo. On va marcher dans la rue pour aller faire nos courses, on va se faire attraper au lasso, tu sais. Bon, allez, Julie Jumper va se coucher. On rentre au box, on se retrouve dans 30 secondes, juste le temps de cliquer sur terminer, reconnecter. Voilà. A tout de suite les amis, pour ceux qui nous quittent ici, on se retrouve sur le groupe Tous Ensemble, Tous en Forme. Le groupe privé pour ceux qui pour les nouveaux. Ouais, rejoignez-nous là, on va envoyer du défi débile. On reste... Oh ouais, du coup... Oh, tu m'as cassé dans mon élan. On reste tous chez nous. Tous ensemble. Et tous en forme. Et plus tard... Ah non, les cow-boys, ça se lave pas. Donc on dit pas tous à la douche. Non, personne à la douche. Tu restes dans ta crasse aujourd'hui. Bisous. Jusqu'à demain. Jusqu'à demain. On vous embrasse. On vous aime fort. Gros bisous.